Hey yes, salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tag Ton Schlèche au point bleu de Merveille Passion Schlèche. Donc voilà, alors je ne vais pas perdre plus longtemps et c'est parti! Première question, quel est ton premier Schlèche au point bleu? Donc mon premier Schlèche au point bleu, c'est l'étalon Fjord de 2001 il me semble. Oui c'est ça, il date de 2001 et c'est la version sans l'arrêt de mulet. Et pour la petite information, il se nomme Fidji. Question 2. De quelle race est-il et de quand date-t-il? Alors pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est un étalon Fjord qui date de 2001. Question 3. Comment l'as-tu découvert? Oh oui, t'es beau toi. T'es beau, hein? Oh, faut que je te passe un peu à la gomme. Tiens, c'est quoi ce point bleu? Question 4. Est-ce que tu te poses la question pourquoi il a ce point bleu? Eh bah, pas forcément, parce que du coup, maintenant, on sait à peu près pourquoi il est là. Donc, ça serait, d'après certains sites, pour dire que c'était des chevaux en fin de série. Donc, il existe plusieurs types de points, donc des bleus, des blancs, des oranges, et etc., etc. En tout cas, moi, c'est les seuls que je connais. Question 5. As-tu cherché si tu en avais d'autres? Oui, j'ai cherché tous les schlèches que j'avais dans ma collection. D'ailleurs, ils sont tous à côté de moi, du coup. Question 6. Combien en as-tu avec ce fameux point bleu? Je viens de compter, j'ai 13 points bleus et 1 point blanc. Question 7, ont-ils tous le point bleu ou ont-ils une couleur différente? Bah comme je vous l'ai dit, j'ai un point blanc et sinon j'ai que des points bleus. Question 8, est-ce que le point est toujours sur le même membre? Bah on va voir ça en vidéo tout de suite. Alors sur lui c'est macro s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, pour lui, c'est sur cette jambe. Pour lui, c'est pareil, c'est sur cette jambe. Lui aussi, toujours la même jambe. Également la même. Là, c'est toujours pareil. Hein. Pareil. Lui aussi. Encore pareil. Toujours au même endroit. Ouais, là aussi, toujours sur la même jambe. Et le dernier, qui est également sur la même jambe. Donc oui, tous les points bleus sont sur une seule et même jambe de chaque cheval. Non, excusez-moi, c'est pas cheval, mais chevaux. Oui, je parle très bien le français. Question 9, sais-tu pourquoi il y a ce point? Alors oui, je le sais, parce que du coup, Emeline Marty a fait une vidéo dessus, sur cette théorie, et moi je pense que c'est la théorie la plus correcte, donc oui. Question 10, fais-tu très attention à ces schlèches? Alors pas forcément, hein, parce que je les traite comme tous mes schlèches, mais bon, des fois ça m'arrive de les faire tomber ou quelque chose comme ça, comme tout le monde je pense. Et du coup, des fois ils s'abîment un peu, mais sinon oui, j'en prends soin, mais pas plus que les autres. Question 11, combien de sortes de points as-tu? Question Doug, oui bien sûr. Question 12, ce tag t'a-t-il plu? Et qui tag-tu? Alors, oui, il m'a plu. D'ailleurs, il m'a beaucoup plu parce que c'est la première fois que je voyais ce tag comme ça, enfin, qui parle des points bleus. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que on voit des points bleus, mais on n'en parle pas forcément. Et ça, vraiment, je trouve que c'est chouette. Et la fameuse question du qui tag-tu? Alors, je tag Yumbella, Little Dream Schlèche, Fantasy Schlèche, Bout de Ficelle, Emeline Marty, si tu passes par là, hein. Et Loustic et Lucie. Donc je sais pas si les personnes ont été déjà taguées ou pas. Donc je crois qu'elles n'ont pas été taguées. Mais j'ai un petit doute sur Lucie. Mais bon, au pire c'est pas grave. Hein. Donc voili voilou. Alors cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye.